ravie de vous retrouver sur UAD TV Congo. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine du mois de juin, essentiellement dominé par la formation des encadreurs pédagogiques et des étudiants de diverses facultés de Brazzaville, une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Et puis vous suivrez dans ce journal le lancement à travers le territoire national des différents examens d'État par les ministres de tutelle, notamment le CEP, le baccalauréat général et technique et aussi le BET. Les émulations scolaires au titre de l'année scolaire 2023-2024 dans plusieurs établissements scolaires, publics et privés de la ville de Brazzaville seront aussi au menu de ce journal magazine. Ouvrons ce journal magazine par la distinction de 5 personnalités émérites gratifiées le 8 juin dernier au titre de docteur honoris causa et d'ambassadeur de la paix. Parmi les lauréats figurent 2 membres du gouvernement et 3 de la société civile. C'est un reportage signé Magali Nanga. Ils ont été sélectionnés pour leurs contributions remarquables dans des divers domaines. Au total, 5 lauréats se sont vus décerner une distinction honorifique d'ambassadeur de la paix et un titre de docteur honoris causa. Leur dévouement et leur accomplissement sont des sources d'inspiration et témoignent de leur capacité humaine à engendrer des changements positifs et durables dans les sphères de leur secteur d'activité. Ce qui nous souligne bien de l'importance de la collaboration entre les institutions académiques et de la société civile pour arriver à faire une coopération palpable, preuve de cette cérémonie. Que cette reconnaissance reste une source de bénédiction pour continuer à exercer vos missions nobles et à inspirer aux générations futures comme modèle. Cette distinction met en lumière les réalisations de ces personnalités et leur engagement pour le bien-être de l'Afrique. Pour nous décerner cette distinction, le jury de cette université a misé sur un profil portant sur notre engagement et nos réalisations notables dans l'essor de nos domaines afin de reconnaître publiquement le mérite exceptionnel, les succès et l'excellence de nos productions sociales, culturelles, scientifique, artistique ou humanitaire. Nous avons bénéficié de la confiance de Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui n'attend de nous que détermination et abnégation, des résultats probants dans nos différentes sphères respectives. Je suis jeune, c'est tout simplement pour dire à la jeunesse, ne baissons pas les bras, c'est notre Afrique. C'est notre Afrique, c'est notre continent et c'est nous qui sommes la relève et c'est nous qui devons écrire l'histoire et les autres qui viendront la liront. Parmi les lauréats, on compte 2 membres du gouvernement et 3 de la société civile. Les récipiendaires ouvrent la page de l'Afrique centrale, une première depuis que cette université s'est installée en Afrique en 2019. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a reçu en audience le chef de mission du département d'Afrique du Fonds monétaire international FMI, Roland Cani-Podard, le 13 juin dernier. En toile de fond, les difficultés auxquelles est confronté le système éducatif congolais. Suivez. Les 2 interlocuteurs ont abordé les questions révélant du sous-secteur de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Entre autres défis soulignés par Jean-Luc Moutou, figurent la formation des jeunes, les déficits du personnel enseignant, l'insuffisance des infrastructures scolaires. Des axes prioritaires qui pourront bénéficier du programme de soutien du Fonds monétaire international, une fois adopté par le conseil d'administration de cette institution financière. Nous sommes en visite à Brazzaville dans le cadre de la 5e revue au titre de la facilité élargie de crédit, un programme du gouvernement congolais soutenu par le Fonds monétaire international. Et dans le cadre de ce programme, nous avons déjà eu un accord au niveau des services. Donc le dossier du Congo est en cours
d'examen et qui sera soumis bientôt au conseil d'administration. Et dans le cadre de ce programme, une priorité, c'est les secteurs sociaux, le secteur de l'éducation, la santé et les affaires sociales. Donc c'est dans ce cadre que nous avons eu le plaisir d'être reçus par M. le ministre pour discuter des défis auxquels son secteur est confronté et comment est-ce que le programme peut porter les priorités du gouvernement dans ce secteur. Roland Kanipodar s'est voulu rassurant quant au soutien du dossier du Congo aujourd'hui à l'étude, en vue, a-t-il indiqué, d'accompagner les efforts du gouvernement. Et puis le commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile Adolphe Mbumaba a attesté 50 apprenants ayant participé à la formation intitulée Yekola Moussala Tour. Une initiative de l'association des artisans de l'Outassi en partenariat avec le centre JR Technologie. L'occasion a aussi permis à Adolphe Mbumaba de procéder au lancement de la phase pratique de la formation en conduite automobile. Regardez. Des attestations, voilà qui sanctionne la fin de la formation dans les filières de pâtisserie, secrétariat de direction, mais aussi l'informatique et le journalisme. Une formation ayant concerné 50 bénéficiaires pour le certificat Yekola Moussala Tour. La cérémonie de ce jour est une cérémonie de qualité. Pourquoi de qualité? Tout simplement parce qu'un homme, un métier. La présidente de l'Association des jeunes artisans de l'Outassi a fixé l'auditoire sur les missions de son organisation. La mission de l'Association des artisans de l'Outassi, c'est de faire bénéficier aux jeunes des formations qualifiantes et pérenniser des formations gratuites au sein de notre commune Mungali. Ils étaient au départ 712 inscrits et 104 avec le concours de la direction départementale de la formation qualifiante ont été évalués. Le haut commissaire Adolphe Mbumaba, lui, a salué les efforts de la jeunesse. C'est un jour où l'on va parler de ces jeunes en conflit avec la loi. Pas en termes de rejet, pas en termes de ce qu'ils savent faire, c'est créer des troubles, mais beaucoup plus pour saluer les efforts qu'ils ont consentis pour apprendre un métier. Pour les jeunes formés, ce sont de nouvelles portes qui s'ouvrent devant eux. Grâce à cette formation, j'ai pu ajouter en plus à ma compétence professionnelle. J'ai un certificat qui fera de telle sorte que partout où je serai reconnue comme une secrétaire. Et je ne serai plus négligée comme d'autres. Nous voyons dans la rue comme étant des délinquants. Mais moi, au travers de cette formation que j'ai bénéficiée, je peux me faire valoir. Alors que s'achève la formation sur la pâtisserie et autres filières, celle destinée aux automobilistes s'ouvre. Je l'ai dit en titre, l'Agence universitaire de la francophonie AUF a lancé le 27 juin dernier à Brazzaville la formation sur la communication professionnelle. Objectif, améliorer les pratiques des enseignants. Suivez. Je déclare ouvert cet atelier qui commence ce matin pour prendre fin demain, bien communiquer au milieu professionnel. Pendant 2 jours, ils vont apprendre les techniques de communication écrite et bien d'autres. L'objectif est de donner plus d'outils aux participants en vue de créer les conditions de réussite dans le monde du travail. Notre nouvelle approche, on doit amener l'AUF dans les établissements qui sont membres. Le président de la République du Congo a décrété cette année, année de la jeunesse. Il nous revient à nous d'accompagner les étudiants par des approches qui ne sont pas celles qu'ils ont apprises à l'école. Je convie nos différents établissements membres de participer parce que dans la salle, vous avez vu, il y a quelques étudiants qui viennent d'autres établissements. Et je prie aussi ces établissements qui ne sont pas encore membres de l'AUF de nous rejoindre. Inscrit dans le cadre de la modernisation de l'enseignement supérieur au Congo, la formation vise à améliorer la qualité d'apprentissage à l'université. La communication générale n'est pas professionnelle. Il va donc falloir offrir des outils qui permettront aux étudiants de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel et garder vraiment des principes qui les aideront durant tout leur parcours professionnel. On va pouvoir orienter les étudiants sur la rédaction d'un CV attrayant et d'une lettre de motivation convaincante
également comment passer son entretien avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de sérénité. Également comment se présenter de manière professionnelle, c'est-à-dire comment être concis, précis et lucide au niveau des mots utilisés. Pour beaucoup, l'initiative de l'Agence universitaire de la francophonie AUF est une opportunité offerte aux étudiants pour un meilleur avenir professionnel. Peu avant, l'AUF a aussi renforcé les capacités des étudiants de diverses facultés de Brazzaville dans le domaine de la gestion de base de données. Cette formation a permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances pour répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises. Juvelin Lumwamu nous en dit plus. L'administration des bases de données SQL figure parmi les outils nécessaires dans la transformation du numérique. Et l'acquisition de nouvelles connaissances pour les participants est une vraie opportunité pour leurs prestations dans le domaine de la gestion des bases de données, comme l'indique ce formateur. En fait, c'est une formation à l'administration des bases de données, la modélisation, la conception et l'implémentation au niveau des systèmes de gestion de bases de données. On a choisi ce site parce qu'il est très facile à installer, peu importe l'ordinateur, d'où ça ne demande pas beaucoup de performance au niveau matériel et ça permet aux étudiants d'apprendre très vite comment utiliser les bases de données. Ça servira à ces étudiants-là à avoir des aptitudes de gestionnaire des bases de données, donc, dans le sens où ils seront capables de faire une modélisation, peu importe le système, surtout dans leur domaine. Les participants ont également appris bien d'autres concepts qui s'articulent autour du numérique. De nos jours, on nous parle souvent d'informatiser les infrastructures. Et les bases de données nous permettent de bien gérer ces infrastructures, notamment les données, parce que nous savons qu'avec le système informatique, les données sont très très importantes. Et donc pour sécuriser, organiser les données, voilà pourquoi nous sommes en pleine formation pour essayer de bien gérer nos données. Il y a plusieurs structures dans notre pays qui ont besoin d'être informatisées. Donc certainement avec cette certification, cela nous aidera à avoir plus d'avantages sur le domaine professionnel dans les entreprises. Les logiciels qu'on nous a présentés, ce sont les logiciels qui sont à l'actualité en ce moment. Cette formation nous a aidés d'une manière plus stricte et organisée. Je souhaite encore plus approfondir cette formation. À terme, les nominés se verront s'ouvrir d'autres portes, comme l'a indiqué le responsable du campus numérique francophone de Brazzaville. L'AUF, qui se veut bailleur de compétences, a pour objectif d'accompagner les établissements membres de l'AUF à rehausser le niveau auprès de leurs étudiants, d'où l'objectif de cette activité. L'AUF accompagne les établissements membres et donc un accompagnement ne s'arrête pas juste en renforçant les capacités des étudiants ni des enseignants, mais aussi de leur accompagner dans l'insertion professionnelle, d'où l'AUF octroie effectivement des stages auprès des étudiants des établissements membres. Après ces 20 étudiants des établissements membres de l'AUF, suivra une autre formation sur les outils numériques pour l'enseignement ou l'éducation. Toujours à l'Agence universitaire de la francophonie AUF, les étudiants ont appris les techniques de rédaction d'une lettre de motivation et d'autres astuces. Ceci afin d'accroître leurs chances d'obtenir un emploi. Commentaire Magali Nanga. Cette formation dispensée par les professionnels a permis aux participants d'apprendre comment mettre en valeur leurs compétences et leurs expériences de manière claire et efficace dans un CV. Ils ont également appris à rédiger une lettre de motivation percutante, personnalisée et adaptée à chaque offre d'emploi. Rédiger une lettre de motivation et puis un CV convaincant tourne autour de la difficulté suivant laquelle les étudiants et plus souvent les jeunes à la recherche de l'emploi ne savent pas comment s'y prendre dans la rédaction du CV et même dans la présentation d'un CV, puis dans la rédaction de la lettre de motivation qui est un élément très important dans la recherche de l'emploi et pour captiver l'attention et l'intérêt de l'employeur. Tous ont salué un apprentissage qui contribue énormément dans leurs études. Étant étudiants, nous sommes appelés à rédiger des CV et des lettres de motivation parce que nous sommes appelés à travailler un jour. Avant que je ne vienne ici, je ne savais pas comment rédiger un CV de façon claire et de façon convaincante. Grâce à cet atelier, au sortir de ci, je peux écrire un CV et convaincre l'employeur. Le CV, c'est notre identité.
Le CV, certes que ça ne nous donne pas directement de l'emploi, mais ça nous aide à déclencher l'entretien avec l'employeur et c'est à partir de l'entretien qu'on va avoir l'emploi. Donc c'est pour ça qu'il faut rédiger un bon CV. L'AUIF entend poursuivre d'autres formations en vue d'améliorer les compétences des étudiants en matière de recherche d'emploi. À partir de lundi, une autre activité, mais qui concerne les informaticiens. C'est comment maîtriser les bases de données avec SQL. La même semaine, nous aurons une autre activité, cette fois-ci, qui concerne les étudiants et tout le monde sur la gestion un peu de la communication professionnelle. Et puis, je vous dis en passant, nous allons organiser, Dieu voulant, la semaine de l'étudiant entrepreneur. 40 étudiants pour cette formation, un moment sanctionné par des certificats de participation. Après cette formation, les enseignants et 30 étudiants de Brazzaville ont également été formés sur les outils numériques de l'enseignement, le but étant d'améliorer leurs pratiques pédagogiques. Une fois de plus, Magali Nanga. Dans cette salle, les échanges ont porté sur l'intégration des outils numériques pour l'enseignement. Tous s'accordent sur les avantages de ces outils technologiques pour améliorer l'apprentissage des étudiants, comme l'affirme ce formateur. L'objectif principal, c'est de démystifier certaines vérités et encore d'apporter quelque chose de nouveau à ceux qui doutent encore de cette utilisation des nouvelles technologies dans l'éducation. L'importance donc de se familiariser avec ces outils, question d'aider tout le monde à connaître comment apprendre et implémenter cela dans la vie professionnelle et même éducative. Un apprentissage appuyé par une expérimentation des applications pratiques dans le contexte éducatif. Les nouveaux procédés d'enseignement sont vivement recommandés aux enseignants en vue de diversifier leur approche pédagogique et répondre aux besoins spécifiques du quotidien. Les nouveaux outils TICE sont en train d'évoluer et nous constatons qu'au Congo, malheureusement, beaucoup des enseignants restent un peu déphasés, on va dire, par rapport à ces outils. Ce qu'ils devraient intégrer des outils comme PowerPoint dans leur présentation, savoir utiliser les vidéoprojecteurs, ça ce sont des choses qui sont révolutionnaires, qui désormais entrent dans le quotidien auprès des enseignants de l'enseignement dans d'autres pays, qui malheureusement chez nous laissent encore à désirer. Au fond, les nouvelles orientations pédagogiques deviennent indispensables pour une meilleure pratique professionnelle. Il s'agit ici de nous faire comprendre qu'en dehors du fait qu'on peut apprendre à l'école en présentiel avec tout le monde, on peut aussi apprendre en ligne. Il y a beaucoup de plateformes qui existent, telles que Open Classroom, tu as la maison, tu as la connexion, tu peux apprendre un certain nombre de choses sans même aller à l'école. Donc ça bénéficie un peu à tous ceux qui ont des problèmes, par exemple, d'handicap. Ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas aller quelque part, là où il y a cours, physiquement, mais à la maison, ils prennent part à ça. J'ai découvert aujourd'hui une plateforme au nom de Open Classroom. J'ai essayé même d'utiliser ça déjà, maintenant là. Je crois qu'une fois à la maison, je vais continuer d'appliquer pour que je puisse vraiment domestiquer ça en moi. Des expériences à capitaliser pour les étudiants et les enseignants, cette formation organisée par l'Agence universitaire de la francophonie n'a pas été une perte de temps, mais plutôt un enrichissement dans le domaine du numérique. Dans la suite de l'actualité éducative, le 29 juin dernier, 15 candidats ont pris part à la finale nationale du concours Mathèse en 180 secondes, organisé par l'Agence universitaire de la francophonie. Cette compétition vise à permettre aux étudiants de différents domaines de présenter leur sujet de thèse en seulement 3 minutes, de manière claire et accessible au grand public. Suivez. C'est un jury composé de chercheurs et de professionnels de communication scientifique qui a départagé les 15 candidats dans la course. Une compétition ayant désigné les 3 lauréats, dont le premier aura la lourde tâche de représenter le Congo lors du concours international pour la finale en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'était de permettre aux 15 doctorants de l'Université Marien-Ngouabi, en l'occurrence, de limer leur cervelle avec les autres en obéissant à certains critères. Au niveau national, nous avons eu 3 prix. Il y en a un 4e, que le prix du public. Le premier prix doit représenter le Congo en Côte d'Ivoire. Le ton, la pertinence et la concision, autant d'éléments recherchés dans ces présentations. Mais la pertinence et l'originalité du travail des candidats
ont aussi figuré parmi les critères de sélection de différents sujets, allant de l'environnement aux faits sociaux, en passant par les sciences et l'éducation. Infrastructures scolaires ont été saccagées par les inondations. Et aussi, 104 centres de santé ont été recensés impactés par les inondations. Oui, que pouvons-nous faire face à cela? Pouvons-nous changer cela? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas changer le cours de l'histoire. L'intérêt de notre sujet est donc de sensibiliser la prise de conscience au niveau des enseignants, de faire des exercices et donc au niveau des élèves, de s'appliquer, de se mettre au travail. C'est pour autant dire que la responsabilité est partagée. Beaucoup d'émotions pour les trois récipiendaires du prix du concours Mathès en 180 secondes. Le quatrième, lui, c'est le prix du public. Je suis heureux, ce n'était pas facile. J'ai pu donner ce que je pouvais. Et voilà, le travail a payé. Courage à ceux qui n'ont pas pu accéder au trône. Les jours à venir, le temps nous le dira. Je tiens à ce que je représente au mieux mon pays. Dans ma façon de parler, l'expression, j'ai été peut-être plus claire. Et c'est pourquoi le public a voulu bien voter pour moi. Pour l'Agence universitaire de la francophonie AUF, la finale nationale a mis en lumière la richesse et la diversité de la recherche menée par les doctorants, des jeunes chercheurs qui ont présenté au grand public leurs travaux de recherche. Sachez que ces différents candidats ont reçu en amont une formation sur les notions de base de prise de parole en public avant de compétir. Juvelia Lumamo. C'est la présélection. L'exercice consiste à présenter les travaux de recherche en 180 secondes, soit 3 minutes. L'objectif est de développer chez les candidats l'éloquence et l'art de bien communiquer devant le public varié. Dans quelques jours, il y aura maintenant un concours pour trois prix. Il y a le premier prix, il y a le deuxième prix, il y a le troisième prix et il y a le quatrième prix. Où j'invite tous ceux qui aiment soutenir la recherche au Congo de venir, parce que le quatrième prix, c'est ce qu'on appelle le prix du public. C'est le public qui attribue ce quatrième prix. Et ça se fera à l'auditorium de la Grande Bibliothèque. Cette deuxième édition offre aux lauréats l'opportunité de participer au concours international. Le meilleur, il va sortir du pays. Il va le représenter, il va aller compétir avec d'autres étudiants ailleurs, toujours sur l'exigence temporelle. Mais là, il va se retrouver pour tous les pays francophones, il faudrait qu'il soit le meilleur. Donc c'est bien un accompagnement que l'AUF apporte dans la recherche. Pour les candidats, c'est un accompagnement dans la manière de résumer des travaux et la prise de parole en public. Mais je crois que c'est un exercice qui vaut la peine puisque il nous aide à déstresser, à être plus serein le jour de la soutenance. Et puisque aussi bien, au travers de cet exercice, nous sommes en train d'apprendre comment dire en peu de mots, mais complètement, tout ce que vous avez eu à traiter et les résultats auxquels vous êtes parvenus et quelle est la démarche que vous avez utilisée pour arriver à ces résultats. Et que ça serait une belle expérience pour moi parce que je n'en ai jamais fait. Un travail de thèse, il y a le côté communication également. Donc avec la thèse en 3 minutes, ça serait une occasion pour moi de faire connaître mes travaux au public. Après cette phase, les 15 candidats qui seront sélectionnés vont concourir le samedi pour 4 places. D'une formation à une autre, les administrateurs des écoles publiques et privées à l'École du Savoir vont appréhender les nouvelles méthodes d'enseignement sur les mathématiques et le français, notamment avec les classes du CP2, SAM2 et de la 3e. Une initiative du programme d'analyse du système éducatif et de la CONFEMEN, PASEC. Regardez. C'est une formation du personnel enseignant qui vise à enquêter sur les problèmes du système éducatif congolais. Une initiative du PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN. Pour y parvenir, ces enseignants seront formés sur les nouvelles méthodes d'enseignement des mathématiques et français. Les classes de CP2, SEM2 et de la 3e sont présentées comme des niveaux prioritaires. Nous sommes ici à l'étape préparatoire, que nous appelons la mise à l'essai. Chacun des superviseurs, des formateurs, est en train de prendre une classe des enseignants qui vont se déployer sur le terrain pour aller enquêter les enfants.
et nous allons travailler pendant 5 jours. Et là, il est question donc de mettre à la disposition des enseignants des outils, les expliquer comment ces outils fonctionnent. Pour ces participants, cette formation est d'une importance capitale dans l'exercice de leur métier. Avant, c'était avec les supports. Mais actuellement, on a changé, c'est maintenant avec les tablettes. Donc, il y a l'innovation, il y a des changements. Mais par rapport aux explications, on s'accroche. Je crois qu'avec tous les acquis possibles qu'on aura ici, en fait, l'objectif, c'est d'aller sur le terrain et appliquer tout ce que nous avons vu ici de façon théorique. Une fois arrivé au niveau de la classe, nous pouvons trouver un enseignant qui est là, présenter les objectifs de la mission aussi à l'enseignant. Et en ce moment-là, nous pouvons passer à la sélection. Parce que l'objectif de cette enquête, il est question de travailler avec 30 élèves. Cette formation précède l'évaluation de 2024 avec la digitalisation de la collecte de données, notamment avec le CAPI en deuxième année primaire. Quittons Brazzaville pour la ville Océane, où les encadreurs et les directeurs des centres préscolaires de tous les départements du pays se sont réunis afin de participer à la première édition de la grande fête du préscolaire. Cette cérémonie a été patronnée par la directrice générale de l'éducation de base, Mietene Ngambani Lekibi. Suivez les notes de voyage de Loïc Kwamba. Ils sont venus de tous les départements du Congo. La première édition de cette rencontre dénommée « Grande fête du préscolaire en République du Congo » va tabler sur la formation des cadres, sur les concepts diversifiés, notamment de la neuroscience au préscolaire. Notre retrouvaille, c'est de se former surtout sur les neurosciences. Nous avons des petits-enfants que nous encadrons. Nous devrions comprendre comment fonctionne le cerveau de l'enfant. C'est pour cela qu'on a pris M. Steve, qui est orthophoniste, qui va nous former sur les neurosciences. Alors que le préscolaire reste un secteur souvent marginalisé, la directrice générale de l'éducation de base a souligné l'importance d'investir dans l'éducation dès la petite enfance. L'année 2024 a été proclamée année de l'éducation par l'Union africaine. Et la stratégie africaine de l'éducation CSA 2016-2025 donne une place importante au préscolaire. La loi scolaire 2595 du 17 novembre 1995, modifiant la loi 008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif congolais, à son article 11, stipule que l'éducation préscolaire est le premier niveau du système éducatif et sa finalité est de préparer l'enfant à s'adapter dans les meilleures conditions à l'enseignement primaire. D'après la Banque mondiale, investir dans l'éducation de qualité dès la petite enfance est essentiel pour lutter contre la pauvreté des apprentissages et développer le capital humain. Mietene Lekibi parle aussi des difficultés que rencontre le secteur de l'enseignement préscolaire. Mais force est de constater que l'éducation préscolaire demeure peu développée et accessible, surtout en milieu urbain, dominé par le secteur privé, puis réservé aux couches de population les plus aisées. Il est donc nécessaire d'augmenter l'offre préscolaire et aussi améliorer la qualité de cette offre. Ceci implique des efforts conséquents pour améliorer les capacités d'accueil des centres d'éducation préscolaire, les doter en matériel pédagogique et en personnel enseignant de qualité. C'est ce à quoi s'emploie le gouvernement de la République à travers le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, sous le leadership du ministre Jean-Luc Moutou. C'est par ces mots que je déclare donc ouvert l'atelier de formation des encadreurs et directeurs des centres d'éducation préscolaire. Notons que cette grand-messe du préscolaire a débuté le 25 juin 2024 et prendra fin le 27 du même mois. Thank you.
le lancement de la première édition de la grande fête du préscolaire, ses encadreurs et directeurs ont été formés en neurosciences et en nouvelles méthodes d'enseignement. Ces acquis vont aider les enseignants à bien cerner les comportements des élèves. Une fois de plus, Loïc Kwamba. Ils doivent désormais se familiariser avec de nouvelles méthodes dans la compréhension du comportement de l'apprenant. La neuroscience permet à l'enseignant de comprendre les aptitudes des apprenants en situation d'apprentissage, mais pas seulement. Pour aider les enfants, il faut partir à travers les jeux, tenir compte du rythme de l'enfant, faire plusieurs jeux pour aider l'enfant à développer son intelligence, pour aider l'enfant à développer ses capacités. On part des jeux et cela aidera des enfants, même s'il a des difficultés. L'enfant peut acquérir certaines capacités à travers des jeux. Les choses évoluent. Ce n'est plus encore la vieille école, mais c'est une nouvelle école maintenant. Et il y a de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes qui se mettent en place, comment aider ces enfants. Et je pense bien qu'on doit se former, on doit apprendre des nouvelles méthodes pour aider nos enfants. Par exemple, dans la vieille école, parfois, on utilisait le bâton pour ça. Et là, actuellement, ce n'est pas ça. On demande que tout le monde a le droit à l'éducation, tout le monde a le droit à penser à utiliser ses capacités. Et cela, on demande souvent que l'usage du jeu, l'apprentissage dans le jeu, c'est très, très important. Si l'appréciation empirique a longtemps prévalu dans les salles de classe, aujourd'hui, les enseignants se disent prêts à accompagner les apprenants en dépit de leur comportement. Et au préscolaire, nous travaillons surtout sur la psychologie. Et ce que nous a ajouté aujourd'hui, ça nous a épargné aujourd'hui beaucoup. Parce que quand une éducatrice travaille, un enfant peut faire les bonnes choses en classe, l'enfant est violent, la maîtresse peut penser que l'enfant-là peut être bandit, mais la maîtresse n'a pas la maîtrise de cet enfant-là. Or, aujourd'hui, là, avec ce que nous avons appris sur le cerveau de l'enfant, la neuroscience, ça nous a édifié beaucoup. Comment on doit se comporter vis-à-vis des enfants. Dans mon domaine, ce cours m'a éclairci. Dorénavant, les difficultés que j'avais en transmettant mes connaissances à ces petits-enfants, je crois qu'au sortir de ce séminaire, je vais améliorer les enseignements par rapport à tout ce que nous avons appris au cours de ce séminaire. Après les neurosciences, encadreurs et directeurs vont aborder aux séances qui suivront le chapitre sur les activités libres. Juste après, ces directeurs des centres préscolaires venus de tous les départements du pays ont approfondi leurs connaissances sur les activités libres avec l'expert Michel Otto. Recettes culinaires, préparation à l'écriture au préscolaire, des axes abordés au troisième jour de la formation. L'ambition est de développer la patience chez l'apprenant, mais surtout d'aiguiser ses sens. Des nouvelles méthodes qui semblent captiver l'attention des participants. On était dans l'ignorance. On faisait travailler les enfants seulement au tableau, sur la table et sur les feuilles. Ok, il y a beaucoup de façons de faire travailler les enfants. Là, on nous a pris à faire travailler les enfants à la pré-lecture. On a pris les cartons, les a perforés, on mettait les fils tout autour. Chacune de nous faisait sa modèle à sa manière. Donc, ça permet aux enfants de mieux travailler. Satisfaction, mais l'expert mise sur les encadreurs pour assurer le relais des connaissances acquises et ce, dès la rentrée scolaire prochaine. Toute formation doit être la réponse à un besoin réel, exprimé ou non. Et nos pays d'Afrique ont les mêmes difficultés partout, pratiquement. Ce qui se passe à Kinshasa, c'est même problème au Burkina Faso, même problème à Brazzaville. Du coup, nous avons transféré ces problèmes ici, qui pourtant s'est avéré aussi vrai. Le cas de recettes culinaires en classe avec les enfants, qu'on accorde que 30 minutes ou 45 minutes, c'est de la théorie. Alors, on est venu démontrer, aider le terrain. Comment en une journée entière de classe, on peut se concentrer sur une préparation culinaire, mais en intégrant toutes les autres activités sans laisser aucune. Nous avons dans la salle 416 personnes qui nous suivent
Il faut dire que moi, je suis très satisfait parce que je sens un intérêt. Les gens sont motivés à suivre ce qui se dit parce que c'est réellement des besoins de terrain. Au total, ce sont 500 encadreurs et directeurs qui ont approfondi leur savoir dans les activités libres, un des thèmes du rendez-vous de Pointe-Noire. Passons à présent au volet examen d'État. Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a procédé le 5 juin dernier au lancement des épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires. Jean-Luc Moutou s'est réjoui du bon déroulement de cet examen qui affiche un effectif de 134 319 candidats. Les détails avec Juvilia Lumwamu. Les centres de l'école primaire 31 juillet 1968, Marcel Bissila, des sites visités par le ministre en charge de l'enseignement général qui a donné le top des épreuves écrites à Mukunzingwaka. Vous avez donc là la possibilité d'exceller dans ce que vous avez appris au cours de ces dernières années et saisir ainsi cette belle opportunité aussi pour pouvoir aller en classe supérieure, au collège, à partir d'octobre prochain. Toutes les conditions sont réunies en termes d'infrastructures, en termes de construction, en termes de recrutement de personnel, et pour que vous puissiez ainsi continuer de vous épanouir au sein de notre système éducatif. Bonne chance. Et les réactions des candidats devant la première épreuve de cet examen. Je suis venu passer le CEP rouge. Je me sens bien parce que j'ai appris les cours durant toute ma période scolaire. Je suis prêt à affronter le CEP, je n'ai pas peur. Je veux réussir cet examen. Les épreuves que je veux faire aujourd'hui sont les épreuves que je maîtrise très bien. Ils sont 134 319 candidats sur l'ensemble du pays à affronter le CEP, le certificat d'études primaires élémentaires. Un effectif en légère baisse comparativement à l'année dernière. Les effectifs sont légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Nous avions 139 000 candidats du fait de la rigueur que nous avons imposée dans le cas des dérogations que nous accordions autrefois à certains candidats qui, en réalité, ne méritaient pas de passer l'examen. Et nous avons donc décidé que dorénavant ne participeraient aux examens d'État que les candidats qui sont évidemment dans la classe d'examen. Et c'est ce qui nous aura donc permis cette année de ramener drastiquement ces effectifs à un niveau inférieur par rapport à l'année dernière. Les épreuves de dictée questions, expressions écrites et l'art plastique seront les dernières épreuves écrites de cet examen. Parlons à présent du baccalauréat technique. Plus de 16 000 candidats ont affronté les épreuves écrites du baccalauréat technique session de juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, qui a lancé ces épreuves. Regardez. Le français, c'est la première épreuve ayant inauguré la session de juin 2024 du baccalauréat technique. Dans la course, plus de 16 000 candidats prennent le départ pour affronter les épreuves écrites. Le baccalauréat est un examen d'État. Et vous constatez que le gouvernement est autant mobilisé pour assurer la bonne tenue de cet examen d'État. Nous sommes trois membres du gouvernement qui se sont mobilisés ce matin pour faire la ronde de quelques centres. Des centres visités, nous avons bonne impression que les épreuves de ce premier jour et de ces premières heures se déroulent bien. Nous n'avons pas constaté des cas qui signaleraient un incident susceptible d'entacher le bon déroulement des épreuves. Pourtant, la peur et l'assurance se côtoient au milieu des candidats qui aspirent l'admission pour accéder aux études supérieures. Alors moi, je ne me sens pas stressée parce que j'ai appris, je n'ai pas peur, je vais affronter ça et ça ira. Vraiment, je n'ai pas peur. J'ai appris dans mon école, j'étais à l'école tous les jours, j'ai appris le français, j'ai appris les maths, les statistiques. Donc, je veux développer pour aujourd'hui. Donc, je n'ai même pas peur d'affronter ça aujourd'hui. Il faudrait juste beaucoup travailler pour avoir son examen. Et la prière. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, lui, appelle les candidats à la discipline et au travail. Ces bacheliers de demain qui passent leur examen aujourd'hui devraient être pour nous une assurance que demain,
le Congo peut espérer son développement. La deuxième chose, c'est que ce bac est le dernier qui sera fait sur la base de la pédagogie par objectif. À partir de l'année prochaine, nous consacrerons les évaluations à beaucoup plus de la compétence en conférant 60% des notes d'évaluation à la pratique de terrain et donc au stage. C'est la particularité de ce bac. Après les épreuves écrites, les candidats vont affronter les épreuves pratiques à partir du 18 juin. Du côté de l'enseignement général, les acteurs impliqués pour mener à bien le baccalauréat général session de juin 2024 ont subi une formation de renforcement de capacité le 11 juin dernier à Brazzaville. Au cours de cette formation, les participants se sont munis des connaissances importantes pour la bonne gouvernance du dit examen. Magali Nanga nous en dit plus. La numérisation des PV, la procédure de supervision et contrôle des examens d'État, saisie informatique des notes, ce sont entre autres sous-thèmes abordés dans cette salle. Ce séminaire a rappelé aux acteurs les principes ou règles qui régissent le baccalauréat. Cette réunion constitue une étape importante dans le processus de l'organisation du baccalauréat. Chers membres du jury, à partir de maintenant, nous partageons cette obligation. Il vous incombe donc de nous emboîter le pas afin de construire tant soit peu le prestige de notre baccalauréat. Nous exhortons tous à la noblesse, à l'abnégation et à la confidentialité. Jean-Luc Moutou a exhorté les participants à mettre en pratique les connaissances acquises. Le ministre a également appelé à la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le déroulement de cet examen d'État. L'expérience et la capacitation sont indispensables pour contrer toute velléité à dénaturer le caractère révéré du baccalauréat. Vous êtes, pour beaucoup, des professionnels habitués à cet exercice. Il s'agit des rappels pour que chacun respecte son couloir et gère en toute responsabilité. En observant toutes les étapes dans l'exercice des fonctions à nous dévolues. Il vous reviendra la nécessité de travailler en équipe et dans le respect de tous afin de disposer des données mobilisables à temps, essentielles à la décision, c'est-à-dire pour l'analyse des impacts de l'examen de cette année scolaire qui s'achève. Les participants ont souligné l'importance de ce séminaire qui est à sa deuxième édition. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de telle sorte qu'il y a eu des consignes qu'on nous a demandées. Que chacun doit rester à son couloir, qu'il n'y ait pas de problème entre les ordres anti-fraude. Nous ne poussons pas à chaque instant, quand il y a toujours un fait qu'on n'a pas vérifié, qui n'est pas clair, que nous puissions appeler le ministre à chaque instant. Le baccalauréat de cette année affiche un effectif de plus de 89 000 candidats. Un nombre en rabais de 2,58% comparativement à l'année dernière. Plus de 90 000 candidats ont pris part aux épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024. C'est le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, qui a lancé ces épreuves écrites au lycée Savornion de Braza. Suivi. Bonjour chers élèves. Est-ce que ça va ce matin? Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Bonne chance. Ces propos marquent le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat. Dans les salles de classe, nervosité et sérénité se côtoient en témoignent les propos de ces candidats. Les épreuves sont un peu plus compréhensibles, abordables et faciles. J'attendais ce jour depuis longtemps, depuis le début de l'année, et je me sens heureuse d'en finir enfin avec cette tenue. Je suis stressée. Jean-Luc Moutou apprécie le déroulement de l'examen. Pour lui, les conditions sont réunies pour faciliter le travail des candidats. C'est une interpellation que nous avons faite au niveau de notre ministère. Toute une action est menée dans ce sens, de façon à amener davantage de jeunes vers la pratique des sciences. Mais à côté de cela, on pourra aussi souligner le fait que les effectifs sont légèrement en baisse. De 90 000 cette année, nous étions 92 000 l'année dernière, une baisse drastique de 2,37%. Qui dénote de tous les efforts que nous faisons en termes de réduction de la transhumance, de réduction des dérogations, et pour que ne participent au baccalauréat que les élèves qui sont effectivement inscrits en classe de terminale. Quelques minutes après le lancement, une candidate accouche. Et le chef de ce département rassure. Nos partenaires traditionnels de la sécurité civile
ont pris en charge cette candidate qui venait d'accoucher, très certainement sous le feu de l'émotion. Mais ça montre aussi tout l'intérêt, tout le poids que représente l'obtention d'un baccalauréat pour notre jeunesse. Et nous saluons les efforts qui ont été évidemment consentis par nos partenaires traditionnels de la sécurité civile et qui nous accompagnent d'ailleurs depuis très longtemps, quels que soient les événements et quels que soient les entités sur l'ensemble de notre territoire. C'est un accompagnement que nous avons toujours souhaité et que nous espérons pérenne pour les années à venir aussi. À Brazzaville, 42 248 candidats affrontent les épreuves du baccalauréat, notamment avec les mathématiques pour la première journée. Dans le cadre de la bonne gouvernance du baccalauréat général session de juin 2024, l'équipe de maîtrise de la lutte contre la fraude en milieu scolaire a tenu une réunion le 17 juin à l'amphithéâtre du lycée de la Révolution. Cet échange présidé par le chef de mission système Mavungu avait pour objectif d'orienter et de donner des dernières consignes. Magali Nanga. Vous êtes là pour la supervision et le bon déroulement du bac. Attention à ceux qui sont zélés, puisque si vous êtes comme ça, le chef de centre peut vous donner la responsabilité. Prenez, gérez le centre, il est parti. Mais c'est vous qui avez la responsabilité. Mais attention, chaque jour, de mardi, mercredi, jeudi et vendredi, dites-vous que non, je sors pour la prison. Ce sont les dernières orientations et consignes à l'endroit des délégués de la lutte contre la fraude avant le bac. Dans cette salle, les échanges ont porté notamment sur le guide des données et statistiques, la fiche individuelle, les procès-verbaux ainsi que d'autres supports qui vont contribuer à la réussite de cet examen. Le guide ne dit pas que le délégué est supérieur au chef de centre. Non ! Le chef de centre gère le centre. Le délégué et la supervision. Donc tu fais la supervision, tu supervises les cas de fraude à l'intérieur des salles, dans l'établissement, comme à l'extérieur. Il faut toujours avoir recours au chef de mission. Et tous les délégués sont en ordre de bataille pour la journée du 18 juin. On nous a mis au clair comment il faut agir. Toi étant délégué de l'antifraude, on a des responsables déjà. Nous qui sommes dans les centres, on a des responsables des centres stratégiques qui nous encadrent. On doit faire notre travail comme il se doit, mais on ne doit pas aussi exagérer. Parce qu'il se peut que quelqu'un n'a pas commis. Vu qu'on a des problèmes, je ne sais pas, depuis les quartiers, je me désigne pour les pénaliser. Non, on ne doit pas pénaliser, par exemple, les candidats qui ne méritent pas d'être pénalisés parce qu'ils n'ont pas fraudé. On ne doit pas être compassion quand il faut sanctionner. Ici, tous s'accordent sur la rigueur, la discipline et le respect de la réglementation pour le bon déroulement du baccalauréat. Bien avant cette réunion, les différents membres du jury retenus pour la supervision de cet examen ont quitté Brazzaville pour leur département respectif de mission. C'était sous l'œil vigilant du chef de ce département, Jean-Luc Moutou. Welcome, Devolo. Ils sont membres de l'équipe pédagogique. Jury, les délégués de la lutte contre la fraude, tous s'accordent sur l'observation des consignes pour le bon déroulement du baccalauréat. La République nous a fait confiance, donc la responsabilité nous incombe parce que organiser un examen d'état de telle envergure, c'est beaucoup d'argent, vous imaginez. Donc le gouvernement, malgré la crise financière, le gouvernement a tout fait pour débloquer des sous afin que tout soit mis au point pour que cet examen se déroule dans les très bonnes conditions. Parce que c'est l'examen qui ouvre les portes de la vie, disons, le baccalauréat. Donc, c'est pas facile. Donc, nous ne pouvons que nous impliquons pour que cet examen soit une réussite afin que nous soyons plus appréciés par nos décideurs. Ici, les mâles sont placés dans les bus en tenant compte de chaque destination. C'est ce coup du sifflet du ministre en charge de l'enseignement général qui a donné le top du départ des convois. Un sentiment de satisfaction pour le ministre. À ce stade, il faut simplement saluer l'effort consenti par le gouvernement de la République, gouvernement placé sous l'autorité de M. Anatole Coliné-Makosso, qui consent évidemment d'énormes efforts
dans le cadre de l'éducation, l'encadrement, la prise en charge de la jeunesse scolarisée de notre pays. Et sous le très haut leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le travail se poursuit. Nous avons assisté il y a quelques jours au lancement des épreuves écrites du baccalauréat technique. Mardi prochain, ce seront les épreuves du baccalauréat général. Et nous assistons ce matin donc au départ des jurys qui partent dans toutes les directions pour aller organiser ce grand événement intellectuel de notre pays. Et nous avons foi que les choses vont se dérouler normalement, un peu comme les années antérieures. Le 18 juin prochain, près de 90 000 candidats répartis dans 241 centres prendront part aux épreuves écrites du baccalauréat général. De son côté, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, ministre de l'Enseignement technique et professionnel, a lancé les épreuves écrites du brevet d'études techniques session de juin 2024. Une fois de plus, au Welcome d'Evolo. Il est 10 heures quand Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, dans le coup d'envoi des épreuves écrites du brevet d'études techniques, pour le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, les conditions sont réunies pour garantir le bon déroulement de cet examen. Des propos confirmés par le président du jury. Les épreuves ont été lancées dans des très bonnes conditions. Vous savez, le secret de la chose, c'est la préparation. Et puis, non seulement la préparation, et puis il faut travailler en équipe. Donc, la DESIC, la DEC et l'équipe pédagogique, on a travaillé de façon unie, et si bien que vous avez certainement constaté que les choses sont dans de très bonnes conditions. Les candidats, eux, sont partagés entre le stress et sérénité. Ça peut jamais manquer, mais ça va quand même, Dieu va faire. Un peu, non, en tout cas ça va. Je me sens à l'aise, oui, je suis dans ma peau. Pense d'abord à ce que tu es venu faire. Tu penses d'abord à tes 9 mois, tout ce que tu as enduré parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Tu penses à tout ça et ça pourrait aller. Les 6476 candidats répartis dans 62 centres à travers tout le territoire national ont planché sur les épreuves de technologie de dictée et questions pour les filières industrielles, l'agriculture générale et spéciale, ainsi que la dictée et questions pour les filières agricoles. Dans les différents centres où cet examen d'État a été lancé, les agents de la lutte contre la fraude ont procédé à une fouille complète des candidats afin de s'assurer de la méritocratie du diplôme par les candidats. Suivez. C'est l'ambiance qui a prévalu avant le démarrage des épreuves écrites du brevet d'études techniques. Chaque candidat est soumis à un contrôle systématique. Sac, calculatrice programmable, bout de papier, tout ou presque est strictement interdit. Les équipes sont là en train de faire leur travail. Il y a ceux de l'antifraude en train de fouiller les salles. Et les surveillants aussi dans les salles sont en train de faire leur travail. Tout ce qui vraiment est prohibé ne peut pas entrer dans les salles de classe. Le chef de centre a également salué l'assistance de la sécurité civile. Les sapeurs-pompiers, c'est une bonne chose parce que les candidats qui sont là, il y a ceux qui peuvent avoir des malaises par exemple. Au cours de l'examen, tout peut arriver. Donc leur présence, je crois que c'est une bonne présence. Et vous voyez, il y a même des femmes enceintes, surtout que nous sommes au CTF. On a vu au bac les mamans qui ont accouché. Donc vraiment, leur présence est très importante dans ce centre-là. Pour le département de l'enseignement technique et professionnel, il faut lutter contre la fraude qui gangrène souvent les examens. La session de juin 2024 intervient à un moment où ce département a ouvert de nouveaux sites et de nouvelles filières dans d'autres départements tels que le Poule et la Songa. Une situation ayant permis l'augmentation du nombre de candidats au brevet comparativement à l'année dernière. Autre fait de l'actualité, le 21 juin dernier, les jeunes engagés pour la préservation de l'écosystème ont remis le manifeste des jeunes pour la protection et la sauvegarde du bassin du Congo à la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonou. Ce document vise à orienter les décisions dans la protection de l'environnement. Images et commentaires. C'est le manifeste des jeunes pour la protection et la sauvegarde du bassin du Congo. Le document est un appel à un changement radical.
Il vise à protéger et préserver la biodiversité naturelle. Ce manifeste qui traduit le haut niveau de conscience de notre jeunesse dans le domaine de l'environnement, de la biodiversité et des changements climatiques, sans refus fatalisme, sa prise de responsabilité et sa force de proposition doit être pris en compte dans l'élaboration des politiques publiques. À nous de vous donner les moyens d'agir, car qui mieux que vous, chers jeunes, est en mesure de construire pour notre planète un avenir durable. Rien de ce qui se fait pour vous ne saurait se faire sans vous. Le représentant adjoint de l'UNICEF a souligné l'importance de ce document dans la prise des décisions sur les questions environnementales. Chers jeunes, ce manifeste est le vôtre. C'est vous qui avez eu l'initiative d'élaborer un tel document pour alerter sur les menaces climatiques qui pèsent sur la pérennité du bassin du Congo et proposer des solutions à la fois concrètes et activables. Toutefois, votre travail ne s'arrête pas là, car vous avez en effet inclus dans le manifeste un plan d'action, ce qui démontre votre pragmatisme et détermination à ce que les objectifs exprimés dans ce document se traduisent en résultats tangibles. Le système des Nations Unies affiche leur volonté à soutenir les efforts de la jeunesse congolaise et leur engagement dans la lutte contre le changement climatique. Je vous félicite de votre engagement pour la cause climatique et du fruit de votre labeur qui se manifeste. Vous avez accompli un bon travail qui n'est que le début d'un engagement plus intense de votre part. Il est donc temps pour vous de penser à la suite, telles qu'aux différentes COP qui approchent, et de continuer votre engagement sur l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. L'idée du manifeste remonte à septembre dernier, alors que les jeunes préparaient le sommet des trois bassins, tenu en octobre 2023 à Brazzaville. Vous le savez, la République du Congo se remémore le 10 juin de chaque année la Conférence nationale souveraine, un événement qui a marqué un tournant dans l'histoire politique du pays. C'est en 1991 à Brazzaville que s'est ouverte cette conférence qui a contribué au processus de la démocratisation du pays. Ce fut le grand déballage des mots qui minait le pays. Un moment historique après des décennies du système monopartite. La Conférence nationale souveraine a permis d'instaurer le système démocratique avec la naissance des mouvements politiques. Pendant 3 mois, environ 1000 délégués issus des formations politiques, de la société et bien d'autres corporations vont débattre de la vie de la nation. Des débats parfois tendus nécessitant souvent l'intervention du président-président, Monseigneur Kombo. De la politique à l'économie en passant par les questions sécuritaires, éducatives et sanitaires, tout ou presque était abordé au cours de ce grand messe. Au terme de la conférence nationale, les participants élaborent le document dénommé « Déclaration de Brazzaville ». Ce document final qui sanctionne les travaux de la conférence nationale souveraine avec des recommandations va porter sur la mise en place d'un gouvernement de transition. La rédaction d'une nouvelle constitution et l'organisation des élections libres et transparentes. Ainsi, la Conférence nationale souveraine du 10 juin marque un tournant historique. Elle a ouvert la voie à des réformes démocratiques en posant les bases d'une bonne gouvernance plus transparente. Le lavement des mains initié par le prélat va constituer le symbole d'apaisement et la réconciliation après d'intenses débats. Plus de 30 ans après la Conférence nationale souveraine, ce rendez-vous reste gravé dans les mémoires des Congolais. Un moment clé de l'histoire du pays ayant autorisé des changements, mais le chemin de la construction démocratique est encore long et difficile. Parlons à présent des émulations scolaires. Le Centre d'éducation préscolaire Liberté A a bouclé l'année scolaire 2023-2024 par une émulation. Une cérémonie qui a permis à cet établissement scolaire de récompenser les apprenants du P3. Welcome, Divolo. Vive futurement aujourd'hui pour bien vivre demain. Je suis le président de la Bureau Pango, j'ai dirigé
17 à 1519. Je vais transformer le Congo en petite Suisse. Je suis le président Pascal Issouba. J'ai dirigé le Congo de 1992 à 1997. De la poésie à l'animation pédagogique, des instants qui marquent la fin de l'année scolaire dans ces centres d'éducation préscolaire Liberté A. On a travaillé, on a transmis, selon le programme officiel du ministère, ce qu'il fallait donner aux enfants. Et nous voici à la fin. Notre joie est vraiment grande. Pour ces parents, vraiment, je dirais que c'est peut-être par manque de connaissances qu'ils retiennent les enfants à la maison. S'ils savaient les réalités, ce qui se passe, par exemple, l'extrait de ce que nous avons présenté, comment un enfant peut raconter le conte, peut réciter les arrondissements de notre pays pendant que les grandes personnes ne connaissent pas. Les enfants peuvent connaître l'histoire de notre nation. Vous avez vu comment ils ont énuméré les présidents qui ont gouverné ce pays et les années de gouvernance. L'émulation scolaire permet de récompenser les meilleurs élèves, une récompense favorable appréciée par les parents d'élèves. Il faut beaucoup étudier. J'ai été ravie des résultats de l'enfant. Je vais continuer à travailler avec l'enfant à la maison. Ce n'est pas parce que l'enfant est en vacances que je vais tout laisser. À la maison, on va continuer à travailler pour que l'année prochaine, lorsque l'enfant va revenir au P3, qu'elle ait déjà la connaissance de ce qu'elle va faire. Ces attestations de fin de cycle sonnent comme une gratification pour les apprenants de P3. Le préscolaire du complexe scolaire Emmanuel V a lui aussi emboîté le pas en gratifiant les meilleurs élèves de son établissement scolaire. Suivez. Récital, art plastique, chant et chorégraphie, c'est le décor qui annonce la fin des activités scolaires. Une fin sanctionnée par une émulation, ce après 9 mois de travail acharné. Et en guise de récompense, les meilleurs élèves ont reçu des fournitures scolaires et des attestations de fin de cycle en vue d'encourager leurs efforts. Nous constatons auprès de ces élèves qui sont encore à la maternelle et qui essaient de mettre en pratique ce que les éducatrices leur apprennent et essaient d'imiter les éducatrices. Nous marquons notre satisfaction parce que vous avez vu que ces enfants qu'on nous a confiés il y a 3 ans, il y en a qui finissent et vous avez vu qu'ils vont à l'école primaire. Ils savent déjà lire, écrire, compter. Sur toutes les lèvres des élèves, le sentiment d'un devoir accompli. Je suis heureuse. On m'a donné les cadeaux. Merci à la maîtresse. Je suis très contente d'avoir eu mes cadeaux. Depuis sa création en 1977, le complexe scolaire Emmanuel entend pérenniser la culture de l'émulation scolaire. L'objectif est de susciter chez les élèves le goût de la compétition et du travail bien fait. Ce, à un moment où l'école annonce l'ouverture d'une infirmerie dès l'année prochaine. Le cycle congolais de ce complexe scolaire n'est pas resté en marge de cet événement festif, comme quoi le travail acharné porte toujours ses fruits. De la poésie et de la danse, des instants qui marquent la fin de l'année scolaire, une année sanctionnée par l'émulation scolaire. Parents d'élèves et enseignants, tous ont salué les efforts des élèves. Je suis satisfait. Il y a eu même un élève qui a fait une moyenne de 18. Il y a d'autres même une moyenne de 17. Et les résultats ont fait de sorte qu'au collège, nous avions 2 niveaux qui ont fait 100%. À partir de ce moment, on se réjouit un peu du travail abattu, pas par moi, mais par les enseignants dans les différentes salles de classe et dans les différents gaps. Et pour les meilleurs élèves récompensés, la joie est immense après la réception des prix et des certificats. Je suis très heureuse d'avoir été nommée lauréat. Je suis immensement heureuse et faite pour exprimer ma gratitude envers l'école et Dieu. Car sans ça, cela n'aurait pas été possible. Persévérer dans la lecture, d'avoir la volonté de lire et de continuer à suivre très attentivement les directives des enseignants. Après 9 mois de travail acharné, les élèves s'apprêtent à oublier la vie scolaire jusqu'au 9 septembre 2024, date de la rentrée scolaire prochaine.
Dans le même registre des émulations, les élèves du complexe scolaire Jacqueline Mamouni ont été primés pour leurs efforts fournis tout au long de l'année scolaire 2023-2024. Ils ont aussi reçu des bons d'achat de la part de la société Regal Group Congo. Regardez. Des fournitures scolaires aux trois premiers de chaque classe du primaire au lycée. Des smart TV et un mini réfrigérateur au meilleur de l'établissement. Les trois apprenants ont été consacrés comme meilleurs de cet établissement scolaire. Nous nous saurons dire que nous avons été heureux de les accompagner dans cet apprentissage, heureux de les avoir enseigné et inculqué ce qu'il fallait pour leur épanouissement. Et nous osons croire que l'année prochaine, nous aurons encore plus d'élèves par rapport à tout ce qui a été notre travail cette année. C'est une école bilingue et les enfants sont basés sur un système qui est purement congolais. Bien sûr, nous avons quelques ajouts par rapport à notre conviction, à notre vision d'exercer dans le système, dans le milieu éducatif. De la satisfaction du côté des apprenants après 9 mois de travail acharné. Je ne m'attendais pas, je pensais que ça serait une autre personne. Pour être parmi les trois premiers ou bien pour être admis à l'école, il faut beaucoup travailler, beaucoup lire. J'ai lu et puis j'ai demandé à ma mère de me faire réviser. Puis elle me dit et moi j'écris. Elle me pose des questions, je réponds à ces questions. Mais au-delà des prix remis aux meilleurs apprenants, l'établissement scolaire a également bénéficié de 700 bons d'achat en don de la société Regal Group Congo. Même élan du côté du lycée Saint-Alfonso de Mpila qui a gratifié ses meilleurs apprenants. Une satisfaction pour les élèves. Loïc Kwamba. C'est l'annonce de la fin de l'année scolaire, une séparation agrémentée par une présentation poétique et de scènes de danse. Avec cette émulation, le complexe scolaire lycée Saint-Alfonso récompense les plus méritants de cet établissement scolaire. La maternelle, c'est pas seulement le manger, le jouer, mais la maternelle, c'est lire, écrire et compter. Pour ceux qui hésitent encore de mettre les enfants à l'école, c'est le moment parce qu'à l'école maternelle, on apprend à mieux parler, à mieux écrire et à mieux compter. Nous invitons tous les parents qui ne pensent pas à mettre leurs enfants à l'école de le faire parce que c'est le moment en plein 21e siècle. Tous les enfants sont censés être cultivés. Pour les nominer, c'est un plaisir partagé entre les apprenants et les enseignants. Je dis merci à ma maîtresse qui m'a appris des leçons durant toute cette année. Et je souhaite beaucoup de joie à tous les enseignants. M'a donné le sac parce que je suis sortie première. J'ai bien travaillé, j'ai lu mes leçons. J'ai juste travaillé, je me suis concentrée dans le travail. Les parents d'élèves, eux, apprécient les méthodes de travail appliquées par la direction de l'école. Mes enfants, depuis qu'ils ont commencé à Saint-Alfonso, ils sont toujours parmi les 5 premiers. Moi, je prends mon temps aussi de contrôler leurs cahiers en dehors de ce qu'ils font à l'école. Alors que 2023-2024 s'achève, le complexe scolaire lycée Saint-Alfonso ouvre déjà les inscriptions pour le compte de la prochaine rentrée scolaire. En santé, le laboratoire pharmaceutique d'AfraPharma a lancé le 24 juin dernier à l'amphithéâtre de l'école paramédicale de Brazzaville, Lukabu, la 3e édition du concours dénommé Excellence d'Afra. Ce concours a pour but de renforcer les capacités des étudiantes sages-femmes de l'école paramédicale en communication scientifique et en éloquence. Suivez. Le concours d'excellence d'AfraPharma vise à promouvoir l'excellence auprès des futurs professionnels de santé. Cette 3e édition permet aux étudiantes sages-femmes de l'école paramédicale de Brazzaville de développer leurs compétences en communication scientifique et en éloquence. L'objectif est de contribuer à l'émergence d'une élite médicale. Nous procéderons à la remise des prix qui sont d'ordre à soutenir le cursus scolaire des apprenants et les encourager dans l'excellence pour leur profession future. Rassurez-vous, chers candidats, d'AfraPharma vous accompagnera dans ce chemin d'excellence. Car nous voulons demain des candidats, sinon des professionnels de santé excellents, très excellents. Excellents dans ce que vous direz, mais aussi excellents dans ce que vous ferez.
12 étudiantes de la deuxième et troisième année, c'est la promotion de l'excellence qui reste néanmoins un vrai challenge pour les apprenantes. Ce concours nous inscrit donc dans un processus d'apprentissage continu et autrement par l'exercice de la prise de la parole en public et d'art oratoire. Nous sommes fiers de participer à cet événement prestigieux. En ce jour, marque pour nous le début d'une aventure dans une compétition sans précédent que nous acceptons avec un cœur grandement ouvert, car le métier de sage-femme nous demande la résilience et surtout d'accepter les défis du quotidien dans notre exercice. Pour la coordinatrice Dana Safko, le concours d'AFRA est d'une importance capitale dans le parcours professionnel de ses apprenantes en médecine. Ce concours de communication scientifique, de l'éloquence, met en lumière l'importance de la maîtrise des connaissances médicales et de l'expression orale dans la formation de nos futurs professionnels de santé. Que cet événement soit pour vous une source d'innovation et d'inspiration, et qu'il vous aide à atteindre des sommets toujours plus hauts dans votre parcours professionnel. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique et professionnel a fixé l'opinion. Pour lui, ce concours s'inscrit dans la suite de l'approche par compétences. Notre école ouvre donc par là un système de formation et qui va se poursuivre sur d'autres filières. Il s'agit donc d'un système rigoureux. Nous souhaitons vivement rendre ce partenariat pérenne dans le domaine qui est le vôtre, afin d'ouvrir à nos apprenants les possibilités ou les facilités de la pratique d'alternance entre la théorie et la pratique. Après plus de 27 ans d'existence, le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma a fait de l'excellence son cheval de bataille. Voilà qui met fin à ce journal magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes de EAD TV Congo. D'ici là, portez-vous bien.